Bon, quelle est la nouvelle mission, capitaine? Aucune idée, je sais plus où est-ce qu'on était rendu. Bon, on venait de rentrer à la base et rendre une mission et... Capitaine Flamme, tu n'es pas... notre gars. Et point, 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 point. J'ai volé dans le casier de Dr. Green. Il n'y a rien dedans. Oui, il y a tout ce qu'il y a. Rendez-le-moi. Non, je l'ai pas pris, c'est bon. Oh! Regarde ça! Eh, hey, Marc! Eh! Hey. Tu peux pas faire ça avec tes mains, toi! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, oui, t'es là-dessus! Tu fais rien là! Vous y êtes pas? Non, tu fais rien! Ah putain! Moi je me vois en train de tenir rien en fait! Genre, y'a juste les mains, mais y'a pas d'armes, y'a que dalle! Et ouais, c'est trop bizarre parce qu'il a les doigts tout cassés! Il y a une course à faire pour quelqu'un qui nous demande, enfin qui m'a demandé d'aller chercher un certain matériau dans la salle du réacteur du Estate. Capitaine. Donc ce qui se passe c'est que le fournisseur de Kill and Seed n'en a plus parce qu'il a tout parié au jeu et qu'il a tout perdu. Du coup il m'a demandé d'aller en chercher et donc il nous paye deux fois plus cher que le premier mec qui nous avait demandé d'aller en chercher. Parfait, cool. Ce qui fait qu'au total, si les deux nous payent, on se retrouvera avec une mission qui vaut 15 000 $. Oh, c'est beau ça! Vous étiez derrière moi, vous êtes parti. Ah, c'est vrai que vous travaillez dans la cave maintenant. Eh oui, vous devriez travailler. Vous n'avez même pas de chaise, c'est un peu la tristesse. Enfin, nous non plus d'ailleurs. Il n'y en avait que le budget pour une seule chaise, du coup je l'ai prise. C'est vrai. Je vois 50 000 crédits sur le compteur, capitaine. Ta ça gueule. Me semble un peu. C'est du foutage de gueule. C'est faux. You are fake news. Capitaine Muller, tu n'es pas de notre troisième âge. On en voit tous les 4 matins des trucs comme ça. On a une patate de l'espace là. Très joli. Oh, je vais viguer dedans. Vous savez que moi j'ai pas vu de patate de l'espace depuis des années. Je devrais monter là-haut. Avec vous. Où allons-nous? Sur la planète. Alors, je conseille de prendre une combinaison. On est parti. Ah, prendre une combinaison. Merci de vous être sacrifié pour l'info. Moi j'en ai marre de scanner les planètes, vous vous démerdez maintenant, j'y vais. Tu vas mourir. Oui, j'avoue qu'il vaut mieux. Ah, c'est très acide. C'est assez acide, effectivement. Dommage. Les scanners m'indiquent pas de position géographique précise, mais. Je suis normalement en train de marcher sur une porte. Mais il n'y a pas de porte, vous mentez. J'ai envie de te dire menteur. Mon radar m'indique le contraire. Vous avez un radar qui est merde. Non mais c'est une structure là-bas. Non, c'est moi qui dis vague. Vague. Ouais, si apparemment trou, cette structure serait vide et aussi inutile que Tanner. Oh, c'est pas très gentil. Décidément, ça n'a que peu d'intérêt. Je crois que je tiens quelque chose, monsieur. Ah. Qu'est-ce que c'est? Où êtes-vous? Oh! En haut d'un volcan. Qu'est-ce que vous avez trouvé? King Seed Air. Ah, voilà. C'est bon. C'était sur les rebords du cratère. Par contre, je vais éviter de sauter dedans parce que ça a l'air chaud et... C'est pas Mélène. Et il en manque un. La porte, elle était proche du téléporteur, non? Oui, elle était très proche du téléporteur. Peut-être dans le volcan le plus proche du téléporteur. Bah, sautez dedans si le cœur vous en dit. Je vais sur un troisième volcan pour essayer de récupérer encore une. Et je suis courageux. Parce que je suis un capitaine du commun. Mais je tiens à vous prévenir que, à vue d'œil, ça a l'air plus. Ça se ressemble plus à de la lave. J'ai plus trop envie de sauter, mais. C'est parti. Ok, bon, bah, c'était une très mauvaise idée, et du coup, je suis coincé et je vais mourir. Capitaine Muller, terminus. Vous êtes allé dans le volcan le plus proche du téléporteur? Affirmatif. Je vais essayer de suivre un petit peu. Si. Il y avait la mort. Oui. Le fameux... Faut que je scanne ce drone. C'est pas un drone, c'est un vaisseau civil. Alors, ils ont une coque expérimentale de 2300. State, avec une armure de 390. Et jump. Où allons-nous en fait? Estate. On arrive à la maison.
Capitaine, il dispose d'un vaisseau avec une armure de 300 soins supérieure à la nôtre, sachant que notre vaisseau a 78 points d'armure. Vous avez un peu de retard, monsieur Green. On a déjà sauté. On est déjà easy. Eh ben, moi qui espérais voler quelqu'un. Scientifique, ah, mais... qu'on a perdu de l'argent. Qui a acheté des conneries encore? J'ai acheté des capsules de fuel, ça vous pose un problème? Ah, vous, non. Vous vous sentez mieux maintenant? Allez, rentre dans les missions. Monsieur... vous vous sentez mieux, monsieur Green, au niveau des finances, là? Oui, j'aime l'argent. Ok, j'ai accepté de détruire un groupe de bandits. Voilà. Alors, Kevin, si on doit détruire un groupe de bandits, est-ce qu'on peut acheter des nouveaux pistolets laser? C'est tout court, la mission à laquelle on s'attaque est très risquée. On va les déglinguer, puis c'est bon. Je connais cette équipe, c'est celle dans laquelle j'ai fait partie avant de la quitter. Oh, pourquoi vous l'avez quittée? Vous avez trompé? Parce qu'ils ont... disons qu'on a eu nos différences sur nos points de vue et j'ai décidé de... En fait, ils vous ont viré. Il y en avait de 7. Les quitter. Il y avait 7 différences. Voilà, c'est pour moi. Bah, ils voulaient vendre moi, le samedi soir. Je vais faire une allergie à votre blague là. J'ai des cloques qui se forment sur ma peau à cause de vous. Non. Ils voulaient vendre des enfants à des esclavagistes. Ah, c'est sale. Bon, ils voulaient vendre combien? J'ai décidé de quitter. Tout dépend le prix. C'était 50 000 crédits. Est-ce qu'on est aligné? Charmante histoire, allez, on y va. C'est beaucoup trop cher, c'est du vol. Heureusement que vous les avez quittés. Et. Bon, on a un acteur qui est mieux que le nôtre. Ça part. Une main turret okay, qui m'a l'air. Préparez-vous au combat. Je sais pas pose de combat, s'il vous plaît. Yes. Il risque d'être plusieurs. Ok, c'est bon, ils sont là. Ok, c'est bon. Alignez-le. Et on se charge de lui faire sa fête. On est loin pour l'instant. Je savais pas. Il est à 10 km. Bien joué, ça touche. Pourquoi est-ce qu'il a pas de. Il a pas de bouclier? Il a pas de bouclier. Non, il a pas de bouclier. Attendez, est-ce qu'il peut. Ah si, il nous tire dessus. Mais il a effectivement pas de bouclier, capitaine. C'est un... Attends, je lui tire dessus donc. Attention, il a des missiles. C'est un vaisseau furtif. Je compte sur vous, monsieur Power, pour les esquiver. Je n'ai pas mis le bouclier pour empêcher les missiles. Il s'est mis sous lui, ça devrait aller. Ah si, j'ai l'impression qu'il bougeait pas. Il bouge, mais... Essaye de rester en dessous de lui. Je vais devoir faire une petite manœuvre, là. C'est très bien, Fancy. Je lance le programme pour voler de l'argent. Pourquoi mes toiles ne chargent plus très vite? Je ne sais pas. Bah, pourtant, tout est à fond. Aïe. Arrêtez les scans, on voit pas l'état des boucliers. Là on est dans la merde. Pas enfin, regarde. J'active les boucliers à fond. C'est pour voir. Alors ils sont 5 à bord effectivement. Pardon. Où est-ce qu'il est? Ouais. Ils ne sont plus qu'à 938 points de coque. Achevez. Esquivez le missile. Magnifique! Parfait, monsieur Power. On est exposé à leur. Mettez plus d'énergie dans les armes, s'il vous plaît. L'énergie est déjà au maximum, monsieur. Déjà au max, on peut pas faire plus. Et chargez pas lentement. Oui, mais tout charge lentement, le warp charge lentement, tout est touché et chargé lentement. Parce que nous sommes en accueil total. Ouais, c'est ça, on utilise trop. Est-ce que je pourrais avoir des coulonnes, coulonnes, t'as fond? Ah non, c'est bon, c'est la dernière ligne droite. Encore un dernier tir. C'est pas la peine de se. De se précipiter. Oh, j'aurais bien quand même d'une recharge au cas où pour recharger le programme, mais pas pour l'utiliser. Voilà. Joli. Excellent. Récupérer le scrap.